Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Bonjour, regardez-moi cette belle vue que j'ai derrière moi. Nous sommes actuellement au Creusot. Donc on est à peu près à 1h40 de la maison, je dirais. On a pris la route ce matin, donc on est parti de la maison. Ce matin, direction le Creusot, 1h40-45 à peu près. Et on est au parc des Combes. Donc à Le Creusot, et c'est un parc d'attractions. Donc je pense que si je vous filme comme ça, vous allez voir les trucs derrière. Voilà, je viens de me faire piquer. Donc là, il est 11h30, quelque chose comme ça. Ça fait une heure qu'on est là. On a déjà fait tout le tour du parc, on a fait déjà pas mal d'attractions. Il n'y a pas grand monde. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas d'attente aux attractions. Donc c'est très bien. Par contre, comme d'habitude, et ça je vous l'ai déjà dit, quand vous avez trois enfants et que vous êtes que deux adultes, c'est un petit peu compliqué parce que il faut prévoir qu'il y ait un enfant qui attende ou alors qu'il n'y ait qu'un adulte qui fasse le manège, etc. Mais ça se fait, vraiment ça se fait. On a des gros nuages, donc de temps en temps on a un peu de soleil et de temps en temps on a de l'ombre, donc ça c'est plutôt cool. C'était pas prévu qu'on vienne là, donc j'avais pas prévu les sandwichs et tout, donc on va manger sur place au parc, c'est pas un souci. Ils font des pizzas, ils font des panini, des trucs comme ça. Ça sera très, très bien. Voilà, c'était pas du tout prévu. Ça s'est prévu au dernier moment. Pour vous dire, on a payé les billets cette nuit à minuit moins 3. Voilà, mais c'est très bien. Les choses imprévues, c'est très, très bien aussi. Voilà, les vacances commencent pour Doudou. Il est trop content. On est tous les 5, c'est le principal. Hein, mon petit chat ? Rominette, ça va ? Rominette, elle nous a fait des petites frayeurs ce week-end. Voilà, on a fait un petit séjour à l'hôpital aux urgences à Valence et à Privas. Donc, et Privas, et après, ils nous ont envoyé à Valence aux urgences pédiatriques. Mais elle va bien, c'est le principal. Elle va très très bien maintenant. Donc voilà. Hein, ça va mon petit chat? Tu veux faire quoi comme manège maintenant? Ah, ça, tu peux pas, mon cœur, t'es trop petite. Les trucs qui volent là, le totem là. Ça, c'est peut pas. Franchement, oui, mais ça, on va le faire. Tu vas le faire. On va le faire. On va être trempé, mais c'est pas grave. On va le faire. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas d'attente. Ça va vite. C'est très bien. C'est ce que je dis à Doudou. J'y sais bien les grands parcs d'attractions, Disney, nanana. Mais franchement, si c'est pour attendre je sais pas combien de temps dans la queue, tu perds presque toute ta journée, ça vaut pas le coup. Là, il n'y a personne. Mais vraiment personne. On va. Oui, on va le faire le manège. C'était bien les balançoires? Oui? T'as fait de la balançoire. Mais on va faire d'autres manèges. On a fait la luge d'été. Ça, c'était mais trop cool. Mais si tu l'as fait la luge avec moi. C'est le premier truc que t'as fait, mon cœur. Elle se rappelle plus. Mais l'autre luge. Oui, c'est l'autre à côté. Il y a une luge et il y a un autre nom, je me rappelle plus. Bref, il est trop, trop bien, ce parc. Vraiment, on découvre. On n'était jamais venu. Hein. Et en fait, c'est en cherchant autour de la maison. On s'est dit, allez, on mise maximum 2h, 2h30 de route pour la journée. Et là, on est à 1h40 et c'est vraiment parfait. On est en haut de tout. Je pense que vous le voyez au niveau de la vue. Hein, c'est magnifique. Et le temps surtout, il fait pas trop chaud. Donc, c'est très, très bien. Franchement, on est trop, trop bien. Bon, Renaud est dans le toucan vert. Donc, ici, là. Voilà. Et c'est lui qui crie, comme un putois. C'est qui crie, Aria? Papa. Bah oui. Il est avec qui? Kali. Il est avec Kali. Eh oui, ça bouge pas mal. Hein. J'ai pas du tout apprécié faire celui-ci, je vous le dis. Ça bouge un petit peu trop. Ah, ça monte. Ça monte. Ça va? Oui. Sereine? Oui. Sûre? Oui. T'as pas l'air. Vroom, vroom. T'as vu la grande roue là? C'est trop beau, c'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas peur quand même? Regarde, on va aller là-bas. On va tourner là-haut. T'as vu? Ah ouais. On va aller vite. Bon, je sais pas si on va aller vite. Bah si, on va aller vite. T'es sûr? Oui. Là, on a des espèces de poignées. Plus on appuie vers l'avant, plus ça avance. Et si on va vers l'arrière, ça freine. Ouais. Je sens pas que ça accélère un peu. Non. Si ça accélère. Ah, ça va y aller plus vite.
Est-ce que ça le dit, papa? C'est parti! Mon kiki! Ça va être dur! Mais ouais! Plus vite, papa! Ouais, mollo! Et on mange, bon c'est pas très diète à midi mais c'est pas bien grave, petit burger avec un pain burger à l'encre de sèche. Dedans on a des petits oignons et tout, du bacon, ça va être trop bon. Cali, bah Cali elle a déjà dégommé son corn dog, hein, voilà, avec des petites frites. Ariane va lui couper son poulet crispy. D'accord, pas obligé, avec les doigts, c'est bien. Bah, oui, c'est chaud. Et toi, tu bois de l'eau, oui, c'est bien. Moi, je veux de l'eau. Tu veux de l'eau, bah, je vais t'en mettre. On a des jolis éco-cups, là, qu'on nous a offerts. Donc, on va les ramener à la maison, c'est trop cool. Papa, t'as la gerbe. Le dernier petit manège moto, là, il l'a fait avec Aria en premier et Cali, et il n'a pas du tout apprécié. Non, c'est pire que j'ai fait. On s'est posé pour manger, je suis pas sûre qu'il mange. T'es un petit peu barbouillé, quoi. Mon petit chat. Ouais, j'ai un peu une... T'es barbouillé, quoi. Hein? Voilà. Petite barbe à papa. C'est rose. Ouais, rose. Quel qu'on a, on a pris quoi comme couleur? Non mais c'est un truc de fou. Violet. Ah oui. Nous on a pris rose, violet et vert. Romy. Je pense, les filles. Oui, c'est violet. Ah bon? On voit pas. Oui, regarde. Ah ouais. C'est violet, là. Et il est trop beau, le violet. Et il y a aussi un violet. Ouh. Et là, il y a un vert qui va apparaître. Après, notre barbe, on va voir, elle va être... C'est Cali qui la prend, maman. Non, c'est moi qui la prends. Oh, t'as vu, il fait la forme de la fleur. Attention, et le vert maintenant? Regarde, il est trop beau. Tu peux le regarder. Regarde ça. Wow. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Non mais franchement, hein, elle est magnifique. Et par en dessous, attends, on voit ou pas? Regardez ça. C'est un truc de fou. C'est trop beau. Et regarde, il y a même le rond. Bon, mais est-ce qu'on peut la manger quand même? Oui. Ah. Allez, on y va. Oula, oula. Attends, moi je vais manger le rond. Va goûter. Moi je me tiens pas. Tu te tiens pas? D'accord. Regardez ce qui nous attend. Ah, oh, ça monte. Ça monte. Il y a une belle vue de là-haut. Et le retour! Parce que le début c'est pas drôle, ça avance tout droit.
Bah oui, il y a maman là. Et voilà. Moi, je veux faire. Ah ouais, mais non, en fait. Bah, t'es déjà en train de crier, toi. Allez, lève les pieds. Il y a maman qui filme là-bas. Il y a une belle vue de là-haut. On peut pas rester là, ça fait un bon point de vue. Oh. Allez, bonne nuit, hein. On va pas plus haut? Ah oui, non. Et c'est dit? Terminus, tout le monde redescend et boum. Il y a une belle vue de là-haut. Coucou! Ils sont derrière nous maintenant. Qui c'est qui veut faire ça là? Hein? Qui c'est qui veut faire ça? On est tout en haut de la rivière de l'Ouest. Attention, attention, ça va les filles? Oui, complètement. On va se faire tremper. On va se faire... Bon, je vous préviens, il y a Renaud là-dedans. Voilà, et c'est toujours le même qui crie. Il est où papa Romy? Il est là, il crie, ouais. Celui-là, c'est hors de question, on ne le fait pas. Tourne-le un peu, c'est... que je ne pensais jamais terminer ce vlog dans un état pareil. Je suis épuisée.
Il est 23h. On vient de coucher Rominette. Et seulement Romy, puisque les deux grandes sont chez maman. Les derniers rushs datent de cet après-midi, début d'après-midi. On était encore au parc d'attractions. Et en fait, début d'après-midi, on a eu un coup de téléphone de l'hôpital de Valence. Donc là où on a été samedi aux urgences pédiatriques. Pour nous dire que... Pardon. Pour nous dire qu'il fallait absolument ramener Romy au plus vite à l'hôpital pour qu'elle ait les traitements adéquats. En fait, il faut savoir que... alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, par rapport à ce qu'elle nous a fait ce week-end, quand vous faites donc les examens qu'elle a eus, on a un antibiogramme pour savoir quel antibio on peut donner à l'enfant pour que ça traite ce qu'elle a. Et cet antibiogramme, il sort au bout de 48 heures. Voilà, parce que c'est mis en culture, etc., etc. Bref, donc on avait les résultats aujourd'hui. Donc je devais rappeler milieu d'après-midi, vu qu'on y a passé tout le samedi, on est parti samedi très tard. Enfin bref, voilà, il m'avait dit vous rappeler en milieu d'après-midi. Pour avoir des résultats un peu plus... Ils m'ont appelé, ils ont pris les devants, ils m'ont appelé en début d'après-midi en me disant il faut absolument que vous reveniez à l'hôpital pour qu'on puisse administrer en IV, donc en intraveineuse, les médicaments pour Romy, parce que là, ce qu'on lui a mis samedi soir, ça va pas du tout. C'est pas pour le germe qu'elle a. Donc sur le coup, on me dit ça, je dis ah, bah, attendez, alors là, on est déjà pas sur Lyon, et je dis nous, on va pas redescendre sur Valence, en fait. On est à quoi? On a eu 1h20, 1h10 de Valence? Depuis où? De la maison. Oui. 1h10. On est à 1h10 de Valence, sauf que fallait rajouter presque 2h, puisqu'on était au Creusot. Voilà. Donc en gros, 3h quoi. 3h30. Attends, j'abuse là. Non, 3h. Donc je lui dis, est-ce que c'est obligatoirement à Valence ou est-ce qu'on peut se rendre aux urgences pédiatriques de Lyon? Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller à Lyon, mais par contre, il faut y aller là dans la journée, cet après-midi, vous y allez. Je vous envoie tout le dossier complet de Romy, comme ça ils n'auront pas besoin de refaire tous les examens qu'on vous avait samedi, etc., etc. Donc, bah, ni une ni deux, on est parti, quoi. Voilà, alors sur le coup, on a terminé, on a fait un manège pour dire aux filles, allez, on fait un dernier manège et on s'en va. Parce que bah voilà, c'est déjà qu'on avait dit qu'on restait jusqu'à la fin, mais en fait là il fallait, on devait pas, on n'avait pas besoin, on n'avait pas, on pouvait pas traîner quoi, tout simplement. Surtout qu'en plus c'est pas comme si on était genre à une demi-heure de Lyon, non, on était à presque 2 heures de Lyon quoi. Et on devait repasser par la maison puisqu'il fallait que je prenne des affaires de rechange pour Romy, des affaires pour les filles puisque bah elles sont chez maman. Enfin bref, voilà. Donc là on est tous les trois à la maison. Avec Romy, les deux grandes sont chez maman. Maman nous les ramène demain. Et voilà. Et Romy va bien. Elle a eu les traitements qu'il fallait. Donc malheureusement, il va falloir que j'y retourne demain et peut-être pendant 3 jours en plus, donc jusqu'à vendredi, pour faire passer le traitement en intraveineuse. Alors demain. Il se peut qu'on nous dise « Ok, il n'y a pas de souci, l'infirmier peut passer à domicile pour vous faire le traitement. » Et dans ces cas-là, j'ai déjà pris les devants, j'ai contacté l'infirmier à domicile, celui qui venait pour mes pansements et pour les pansements de doudou, tout ça. Donc voilà, donc ça, si demain on a le feu vert que l'infirmier passe à domicile, on pourra faire les soins à la maison. Voilà, sinon, si c'est pas le cas, bah, faudra emmener Romy. Alors, ça dure pas très longtemps en soi. C'est une demi-heure pour passer le traitement en intraveineuse, mais c'est un petit peu contraignant. Ce qu'il y a de contraignant aussi, c'est que Romy a le cathéter, là. Donc, on protège pour pas qu'elle le tire, pour pas qu'elle l'arrache, etc., etc. Sinon, il va falloir le reposer. Et ça, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Que ce soit... bien entendu pour elle, mais également pour nous. Parce que nous, de la voir comme ça, samedi, franchement, on l'a vu dans un état... Je le souhaite à personne, hein. C'est vraiment. Hein. Déjà que c'est dur quand c'est un enfant qui n'est pas le vôtre, mais quand c'est le vôtre, c'est... Voilà. Donc là, elle a eu la pose du cathé sous méopa, donc c'est
le truc là qui fait partir un petit peu, ça a aidé, heureusement que ça existe, hein. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir non plus pour elle, et puis elle ne comprenait pas en fait. Déjà, la journée qu'elle a vécue samedi à se faire trinqueballer d'hôpitaux, enfin elle a changé deux fois d'hôpital, en plus à chaque fois ils ont dû refaire les deux mêmes examens. Là, je me suis dit, putain, troisième hôpital, il va falloir qu'on refasse tout, et non, heureusement que j'avais le dossier complet. Donc bref. Donc voilà, pour les petites péripéties du jour, mais écoutez, j'ai eu très peur qu'on nous garde... et qu'on garde Romy hospitalisée et pas du tout. Voilà, on est à la maison, c'est le principal. Là, elle fait dodo dans son lit. Elle va passer une bonne nuit. Elle a quand même passé une bonne journée au manège. On lui a promis qu'on y retournerait parce que bah, je vous avoue qu'on a été un peu coupés. On a profité, hein, on a pu faire quand même pas mal de choses. Et ce que je disais, c'est heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et qu'on n'a pas attendu beaucoup pour faire les manèges, parce que franchement, on aurait été dégoûté d'avoir fait deux manèges et de devoir partir, quoi. Après, c'est ce que je dis, on est parti parce que ben on avait eu les traitements et tout, quoi. Donc bon, bref, c'est comme ça. Il y a rien à regretter, c'est fait. Romy a été pris en charge et ça va aller mieux avec les bons traitements. Et puis voilà, voilà, voilà. Elle va bien, c'est le principal. Et on a été pris assez rapidement en charge à l'hôpital, à la HFME de Lyon. Donc franchement, nickel, voilà. Elle est courageuse aussi. Et elle est courageuse. Franchement, elle m'a épatée. Du haut de ses 3 ans, je vous jure que... Je suis désolée, hein, je suis un peu... voilà, mais des fois, je me disais, mais mon Dieu, quoi. Je préférerais tout prendre pour moi et de subir tout ce qu'elle a subi. Parce qu'entre samedi et encore aujourd'hui, rebelote. En fait, c'est clair et net... Dès qu'on entrait dans le box et qu'elle voyait donc le fauteuil là où il s'allonge avec le papier blanc là, là c'était pas un brancard, c'était fixe, ça bougeait pas. Non, maman, je veux y aller, je veux rentrer. Elle me disait, je veux pas rester, j'ai pas envie. Oh là là. Bref, c'est fait. Maintenant, on verra demain, chaque jour. On verra. Et puis, j'espère que demain, ils me diront... En fait, là, on est passé assez tard, hein, quand même, parce qu'on est parti de l'hôpital, c'était 22h. On arrivait à 10h30 à la maison. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, en fait, là, les infectiologues, on n'a pas de réponse. On aura plus de réponses demain. Donc, on pourra vous dire tout demain. Et voilà. Voilà pour tout ça. Les grands, on les récupère demain. Maman nous les ramène. Et puis voilà. Et ça va aller. Et Romy va bien. C'est le principal. Et on a quand même passé une bonne journée. C'était cool. Ouais, c'est super génial, super génial. Il est vraiment cool, ce parc. Alors, à titre indicatif, nous, tous les 5, on a payé 105 euros. Pour tous les 5, on fait les manèges en illimité. Il y a 22 manèges en tout. Tous les manèges ne peuvent pas être faits par les filles parce qu'il y a une certaine taille à respecter. Ou c'est deux. Non, les deux. Ah, des fois c'est deux. Ouais. Des fois c'est et la taille et l'âge. Il y a des maxis. Et il y a des maxis. Ouais. Mais après on a pu faire quand même pas mal de choses. Et les filles, elles se sont éclatées. Vraiment, elles se sont éclatées. On en reparlera demain, mais s'il y a un manège qu'elles ont préféré, Cali, elle m'a dit, c'était les rondins, là où on s'est fait arroser. Et Aria aussi. Non, c'est Aria, les rondins. Cali, elle a adoré le train à l'envers, là. Moi, franchement, je l'ai refait une deuxième fois. J'ai moins supporté la deuxième fois. Ouais. En fait, vous partez à l'envers. Et après, donc, tu montes en hauteur. Mais on vous a filmé, hein. Et après tu redescends, tu remontes et genre t'as des rails et sans fin. Si, il y a une fin. Il y a un bout qui est pas. Il y a un bout qui est. T'as plus le bout, quoi. Tu te dis, mais attends. Bref, mais non, mais c'était trop cool, donc on se refera. Ça a 1h45 de Lyon, donc ça se fait dans la journée. Franchement, c'est largement faisable. Et je trouve pas ça excessivement cher. Et ni la bouffe. Franchement, je trouve que la bouffe. On s'en est bien sorti quand même. On n'avait pas prévu les sandwichs et tout. Alors peut-être que la prochaine fois, quand on ira, on prévoira les sandwichs. Et encore, j'ai envie de te dire, c'est cool, franchement. Là, moi, j'ai pris un burger à l'encre de sèche. C'est une asso quand même aussi. Voilà, c'est une asso. C'est intéressant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une asso. Donc, tu donnes à l'asso, c'est très, très bien.
Voilà, et t'as pas tout le monde et toute la queue que tu peux avoir dans certains parcs, quoi. Du genre Walibi. À 15h, c'était tout pareil. Ça a pas changé. Ah non, mais ça a pas changé. Mmh. Il y a juste au début, quand on a voulu refaire les luges, là, oui, il y avait un peu plus de monde, et encore. Non, parce que c'est des manèges du début du parc. Ouais, bah oui, tout le monde faisait ça. Mmh. Et encore, franchement, j'ai trouvé qu'on n'a pas attendu tant que ça. Voilà pour tout ça. On va exporter le vlog. On avait filmé pas mal de choses et tout dans le vlog, donc on s'est dit on va le faire et je voulais quand même vous toucher deux mots par rapport, alors sans trop rentrer dans les détails encore une fois, mais voilà, on va aller se coucher après parce que moi je vous avoue que ça m'a épuisé cette journée-là. Mais toi aussi, hein, de toute façon. Et puis on se retrouve demain. On se dit à demain. On a les grandes qui reviennent demain. On ne sait pas trop le planning de la semaine. En fait, tout dépendra de demain, ce qu'ils nous disent à l'hôpital. S'il faut continuer les traitements jusqu'à vendredi, ben, on va être assez limité parce que ben, elle a le caté, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, quoi. On ne va pas prendre de risque. Déjà, elle ne pourra pas se baigner. Même avec un gant ? C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Bref. Ouais, parce que ça fait de l'humidité. C'est, pas... ben, c'est même pas ça, c'est que c'est pas recommandé. Quoi. Ouais. Donc on verra. On verra demain et en fonction, on voit ce qu'on fait. On fera des activités calmes. Hein? Et puis voilà. Moi, je mets en surmis de mon manège. Renaud s'est remis de son manège. En fait, il l'a fait deux fois de suite. Mais tu sais, quand je te filme sur le manège, il n'y a que toi qui gueule. Hein. Toi, t'es refait. Hein. Et après. Enfin, bref. Allez, on vous fait des bisous. Et on vous dit. À demain. Bisous. Et d'ailleurs, ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu ma commande, les petits prodiges. Donc je vais m'en mettre ce soir là dans le coin de la commissure d'élèves là, parce que je suis bien. Ah, c'est ça, les petits. Ouais. En fait, j'ai commandé le pack de 3. Il y a un gros pot, un petit que je mets sur ma table de nuit et un tout petit flacon. Genre dans le sac à main. Dans le sac à main ou dans le sac à langer, tu vois. Bon, alors bientôt, on n'aura plus de sac à langer. Mais voilà, sac à dos. Mais dans mon sac à main, ça peut être pas mal quand on a un petit truc à mettre. Voilà. Et j'ai reçu également, j'ai fait une commande sur Quetch, c'est ça le nom ? D'une gourde. Et elle est trop bien. On l'a baptisée ce soir avec Rominette. On l'a emmenée avec nous. Et elle est trop bien. Ça tient bien le frais. Et elle est bien grande, donc c'est cool. C'est cool. Allez, je vous fais des bisous. On vous fait des bisous. Et on vous dit à demain.